Mais bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux, comme directeur ici du Musée de l'Homme, de vous accueillir ce soir pour cette conférence, hein, Lucie dans la cité. Je vais en dire quelques mots. Le hasard fait vraiment bien les choses. On ouvre, comme vous le savez, nos musées depuis ce matin, 19 mai. Donc Anne Le Herf, qui est quand même la grande responsable de cette soirée. Nous ici, on est ravis de vous accueillir, mais c'est elle et son équipe qui est l'université de Cergy-Pontoise qui est derrière tout ça. Voilà. 19 mai, ouverture du musée, et on vous accueille ici, donc c'est vraiment avec grand plaisir. Et tout à l'heure, c'était vraiment adorable de voir tous ces enfants parcourir les galeries du musée. Ça fait du bien après 7 mois de fermeture, quoi. Alors, je suis en plus ravi parce que dans cette salle, il y a un tas de collègues, d'amis, de personnalités. Je ne sais pas si peut-être je vais en oublier, mais il y a le Musée d'archéologie nationale avec sa directrice, Rosemarie Mousseau. Je vois le président de l'INRAP, Dominique Arcial, conservateur régional de l'archéologie d'Île-de-France, Stéphane, Nouria Sands de l'UNESCO. Voilà, je vois que Lilian Thuram, on est très honoré aussi de vous accueillir. Évidemment, le président de l'université de Cergy et l'équipe avec laquelle on a eu plaisir à travailler. J'espère que j'ai oublié personne. Mais sinon, Anne me rattrapera. Et puis, évidemment, je suis ravi d'accueillir Amélie Vialet, qui est chercheure ici au Musée de l'Homme. Donc, elle est chez elle. Elle connaît particulièrement bien les lieux. Et puis, évidemment, le professeur Yves Coppens, lui aussi, comme on en discutait tout à l'heure, c'est votre maison, professeur aussi. Vous avez œuvré de nombreuses années ici au Musée de l'Homme et on a toujours un plaisir à vous y recevoir, surtout pour une soirée comme celle-ci, quoi. Donc, voilà, je serai guère plus bavard. Moi, je suis enchanté de ce cycle. Alors, merci à Anne aussi d'avoir proposé le Musée de l'Homme pour cette première, mais je trouve que cette thématique archéologie dans la cité me paraît tout à fait importante de débattre un petit peu du rôle de notre discipline, l'archéologie, dans notre société, sous ses différents aspects. Et puis, je crois que c'était naturel qu'on ouvre par Lucie et les premiers humains. Et donc, je vais m'arrêter là et passer la parole à Anne, qui sera peut-être un peu plus complète que moi sur cette opération. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors nous voici effectivement réunis pour la première conférence du cycle l'archéologie dans la cité. Et réunis, j'avoue, ce matin, je me suis réveillée en me disant quel bonheur, on y est arrivé. Alors, ce n'est pas un hasard le 19 mai. Nous avons été copiés. Nous avons été copiés car rien n'est dû au hasard. Quand nous avons dû choisir une date dans ce contexte improbable, nous avons choisi la meilleure des dates. Nous sommes le 19 mai, la Saint-Yves. C'était donc une date qui ne pouvait pas mentir. Après, d'autres, à Matignon, à l'Élysée, ont trouvé que c'était une date intéressante, effectivement, pour ouvrir les terrasses et faire des tas de choses. Mais nous avons la primeur et nous en sommes très fiers. Voilà. Petit mot, effectivement, pour se réjouir. Je voudrais remercier le Musée de l'Homme et son directeur de nous accueillir pour cette première. Et puis remercier, évidemment, toutes les personnes qui sont associées à cette première conférence. Nos orateurs, le professeur Yves Coppens et Amélie Vialet, chercheur effectivement et maître de conférence au Musée national d'histoire naturelle. Nos partenaires institutionnels dans ce lancement des conférences l'archéologie dans la cité sur laquelle je dirai quelques mots. Donc évidemment mon université, mon président, monsieur François Germinet. Merci beaucoup pour votre confiance et merci aux équipes de Cergy qui ont travaillé dans des conditions parfois un peu acrobatiques dans ce contexte. C'est acrobatique pour tout le monde, mais c'est bien de souligner qu'effectivement, ce n'est pas forcément toujours simple. Charles Personnaz et l'Institut national du patrimoine, qui est également partenaire de ces conférences, l'archéologie dans la cité. Le Musée d'archéologie nationale, Rosemarie Mousseau, qui est la directrice. Donc merci à nos partenaires de nous accompagner dans cette aventure. Et puis cette première. Nous avons voulu effectivement l'archéologie dans la cité. Nous avons associé la grande ville, la métropole, la mégapole de Montigny-lès-Cormeilles. Et donc l'école
Et Yves Coppin, c'est le gymnase Lulian Thuram. Et donc, je voudrais remercier Monsieur le maire qui est ici, Lulian Thuram qui fait effectivement l'honneur d'assister à cette première conférence, et puis remercier, j'allais dire aussi, surtout pardonnez-moi, le directeur de l'école qui a travaillé avec la classe de CM2 sur ce projet pour être prêt pour la conférence. 3 élèves viendront tout à l'heure poser des questions, mais nous avons eu en avant-première avec Amélie les questions, le travail en cours. Donc c'est un bel investissement, et ces élèves ont travaillé en allant à l'école tous les jours et en regardant et en observant Lucie. Donc une inspiration. Merci Elisabeth Dénès, qui est l'artiste qui a créé cette Lucie qui est à Montigny-les-Cormeilles. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est une équipe, et c'est l'esprit de ces conférences, l'archéologie dans la cité. C'est une première que nous ouvrons avec Lucie, et on lui doit bien ça, Lucie. Mais c'est effectivement un cycle que nous voudrions pérenniser à l'université de CY Sergi Paris Université avec nos partenaires, en ouvrant à des thèmes divers. L'objectif ou l'idée, si l'on peut dire, c'est d'une certaine manière de voir comment l'archéologie entre en dialogue avec le citoyen, les territoires, le citoyen vers l'archéologie et l'archéologie vers le citoyen, dans un dialogue et en synergie. Et donc nous parcourrons le temps, l'espace, l'archéologie sous la terre, sous les eaux, dans différents pays. En tout cas, nous sommes très ambitieux, et nous commençons par Lucie, qui n'est pas la moindre des ambitions. Voilà, donc l'esprit, et on aura l'occasion évidemment de le développer. Là, je voudrais laisser surtout la parole à nos orateurs, que je remercie à nouveau. Merci. Bon, visiblement, mon micro marche, donc ça doit être à moi de commencer. Je suis très, très heureux, bien sûr, d'être ici. Chez moi, c'est beaucoup dire, mais quand même, j'ai passé une quinzaine d'années hein, dans cette maison. Donc, je salue son directeur, qui veut bien nous recevoir, M. Delpech. Et puis, je salue aussi Anne, qui a fait un boulot extraordinaire. Extraordinaire, vous ne pouvez pas vous imaginer. 3 mails par jour. Vous savez, quand vous êtes devant votre écran et que vous voulez chercher un certain nombre de mails pour savoir quel est celui auquel vous voulez vous rapporter, il y a une petite case à droite, en haut, c'est rechercher. Et quand vous écrivez là, Anne Le Herf, moi, mon ordinateur fumait. Donc j'étais obligé de le couper à chaque fois. C'est pour ça qu'on n'a pas communiqué d'ailleurs, parce que je n'arrivais pas à trouver chapeau, hein. C'est formidable. C'est une dame qui a beaucoup d'initiatives et qui a beaucoup d'idées et qui a beaucoup de précision. Oh, une précision. Elle nous a envoyé les tableaux. Moi, je n'ai pas regardé les tableaux, j'avoue. Des tableaux pour voir où on en était. En tout cas, merci. Et puis, merci, bien sûr, à Amélie de bien vouloir me donner la réplique, me contredire, me contrarier. Alors, il y a beaucoup de gens que je veux saluer dans la salle, évidemment. Lilian, avec qui, bien sûr, nous sommes liés dans cette histoire, liés de manière éternelle, dans cette belle aventure de Champigny-les-Cormeilles, dont le maire, M. Carpentier, est ici présent, et qui a eu l'idée bizarre de faire une école Yves Coppens, de faire un gymnase Lilian Thuram et de faire une place Lucie. Et lorsque il a eu l'idée de faire une place Lucie, il m'a demandé qui pourrait faire une petite Lucie pour la place. Et j'ai pensé à Elisabeth Dénès. Elisabeth Dénès, il faut dire ce qui est sculpteur, mais elle a eu une idée géniale, géniale. L'histoire du selfie. Formidable, quoi. Lucie qui se fait un selfie, il faut quand même y penser. Donc ça, c'est fantastique, hein. Vraiment fantastique, d'où l'affiche merveilleuse. Donc je reviens à Lilian. Nous nous sommes rencontrés avec Lilian parce qu'il écrivait « Mes étoiles noires » et il avait pensé, ce qui était très joli, que la première de ces étoiles pouvait être Lucie. L'origine de l'humanité, l'origine africaine de l'humanité, Lucie à l'origine de l'humanité et Lucie, la première étoile de Lilian. Donc c'était superbe, et merci Lilian d'être là. Alors il y a plein d'autres personnes que je connais là. Il y a monsieur
Deschamps, Stéphane Deschamps, que je connais depuis la Bretagne, avec qui on travaille désormais dans le sud de l'Île-de-France, Nouria Sans, avec qui nous sommes allés en Éthiopie voir Lucie sur place, et qui prépare un autre événement à l'UNESCO sur Lucie, mais ce n'est pas à moi de le raconter. Mais encore Lucie, vous voyez, toujours Lucie. Bien sûr, le président de la Société des Amis du Musée de l'Homme, avec qui je suis ami et avec qui je travaille depuis bien longtemps. J'ai entendu la directrice, que je salue, du musée de Saint-Germain-en-Laye, que je n'ai pas l'honneur de connaître. Le musée de Saint-Germain-en-Laye, je le connais bien, mais la directrice, je ne la connaissais pas, donc je vous salue et je vous saluerai mieux tout à l'heure. Et il y aura d'autres noms qui me viendront sûrement, hein, parce que c'est épouvantable de ne pas avoir de liste, mais c'est affreux aussi quand on dit « Ah, ah je voulais vous dire bonjour aussi, monsieur. Bon. » Donc, Lucie dans la cité. Alors, j'y ai pensé un petit peu quand même. Et ce que je vous propose, c'est trois parties d'une quarantaine de minutes chacune. Non, c'est le total. Hein. Ouais. D'une part, Lucie, la découverte. D'autre part, Lucie, la science, comment on l'a interprétée. Et d'autre part, Lucie dans la cité. Alors, la découverte, c'est un aspect qui n'est pas bien connu, mais qui est intéressant. C'est que l'histoire a commencé en 1969, ici au Musée de l'Homme. Ici au Musée de l'Homme, j'ai reçu la visite d'un ami que je connaissais déjà depuis longtemps, un collègue qui s'appelle Maurice Taïeb, qui est à Marseille désormais. Et Maurice Taïeb est géologue, et Maurice Taïeb faisait sa thèse sur le bassin d'une rivière, d'un fleuve, qui descend du plateau éthiopien et qui se perd dans le désert, d'ailleurs, qui n'arrive pas jusqu'à la mer Rouge. On l'appelle un fleuve quand même, mais en fait, il n'arrive pas, il ne débouche pas. Il est sec avant et puis il s'enfonce, il est bloqué par un horse, enfin, c'est drôle. C'est donc le fleuve Awash. Et Maurice Taïeb faisait sa thèse sur le bassin géologique du fleuve Awash. Et un jour, il vient me voir ici avec un bout de dent, un chicot, on ne peut pas dire mieux. C'est quand même un gros, quand même un point, mais c'était un chicot de dents d'éléphant. Formidable. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à étudier les proboscidiens, proboscis, les bêtes à trompe. Donc, j'ai su tout de suite de quoi il s'agissait. Il a écrit ça, d'ailleurs, dans un de ses bouquins, parce qu'il a été scié, puisque je lui ai dit, c'est Paléoloxodon Reiki, et d'autre part, c'est un fossile, le tien, qui a entre 2 et 3 millions d'années. Et 50 ans après, on a fait des datations absolues, ça a été 2 millions 8. C'est pas mal, hein? Non, mais ça veut dire que la datation relative qui date le degré d'évolution d'une espèce animale, d'une espèce vivante, plantes aussi, végétales aussi, peut donner de bonnes informations. Quoi. C'est une grande fourchette, mais c'est quand même une fourchette sûre. Donc, je lui ai dit ça et je lui ai dit, si tu retournes, regarde précisément ce genre de choses. Si tu trouves d'autres fossiles, reviens. Ce premier fossile venait d'un site qui s'appelait Lady, qui se trouvait dans le désert de la Fare. Et il est revenu l'année suivante avec cette fois-là un petit lot de fossiles d'un autre site qui s'appelait Gawani. Et avec ces deux éléments, on avait l'assurance qu'il y avait dans cette région d'Éthiopie des restes fossiles importants et des restes fossiles d'une période, c'est comme les vins, vous savez. Le Pléistocène, là, entre 2 et 3 millions d'années, c'est formidable parce qu'il y a des hominidés fossiles là-dedans. Et ça vaut la peine de chercher plus loin. Donc, ça tombait vraiment bien. Et on a eu, du coup, l'idée de mettre sur pied une expédition. 1969-70, 1971, il y a eu à Addis Abeba un grand congrès, présidé encore par l'empereur, d'ailleurs. L'empereur qui était vivant. L'année suivante, en 1974, il a disparu. En 1975, il serait mort. Enfin, c'est un peu douteux, c'est une grande histoire. Et,
Et donc, en 1972, Maurice Taïeb a souhaité mettre sur pied une expédition internationale. Et une expédition internationale qu'il a appelée l'IARE, ce qui veut dire International Afar Research Expedition, tout simple. Expédition de recherche de l'Afar, recherche scientifique de l'Afar. Cette expédition, encore une fois, je le répète, il a voulu internationale, c'est-à-dire qu'on était associés tous les deux avec ses premières déterminations de fossiles. Il a cherché plutôt des collègues américains. Il y en a un qui est venu à lui à Addis Abeba, qui s'appelait John Kalb, qui travaillait déjà en Éthiopie. Et il est venu chercher l'autre dans la mission, l'expédition de l'OMO dans le sud de l'Éthiopie, que je co-dirigeais déjà depuis quelques années. Et en l'occurrence, il s'agissait de Donald Johanson. Donald Johanson était un élève de Clark Howell, et Clark Howell était le directeur du contingent américain de l'expédition de l'OMO dans le sud de l'Éthiopie. Ce qui veut dire qu'on est parti à quatre sur le terrain. Et on est parti donc en avril, chaleur épouvantable, épouvantable. Vraiment, on n'avait pas. Aujourd'hui, on a bien choisi le jour grâce à Anne, mais là, on n'avait pas bien choisi la date. Et c'était donc en avril 1972. Et on est parti à quatre, mais en fait, ils sont partis à trois. Et je les ai rattrapés en cours de route. Je ne sais plus d'où j'arrivais, mais je n'étais pas là au départ. Et je suis parti, écoutez-moi bien, c'est drôle. Quand j'y pense, quoi. Quand on est jeune, on s'en fiche quand même. En stop, je suis parti en stop dans le désert, 700 km de désert. Alors, coup de chance, mais je le savais quand même, il y avait une société d'entreprise allemande qui construisait une route entre Awash Station, ça s'appelle comme ça, et Massawa. Le problème de l'Éthiopie, c'est que l'Éthiopie ne débouche pas sur la mer. Et du coup, en Éthiopie, il y a eu très tôt la construction du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Mais pour diversifier un petit peu, au cas où l'Éthiopie ne serait pas bien avec, à l'époque, les Français, puisque Djibouti était un territoire, l'empereur avait décidé de rejoindre Massawa en territoire érythréen, sur la mer Rouge. Et donc, la route, c'était 300 km de route. 300 km de route. Donc, j'ai fait du stop avec des poids lourds énormes. Et de proche en proche, j'ai rejoint mes trois copains. C'est drôle, quand même, parce que les conditions étaient un petit peu particulières, quoi. Mais encore une fois, quand on a un certain âge, même à l'heure actuelle, je crois que je serais capable de faire des choses de ce genre. Donc, cette expédition a très bien marché. On a trouvé beaucoup de fossiles, mais surtout des fossiles, enfin, que des fossiles de vertébrés. Je veux dire que des fossiles d'animaux, pas des fossiles de préhumains ou d'humains, mais suffisamment pour que nos bailleurs de fonds, le CNRS en France et la NSF aux États-Unis, donnent de l'argent pour l'année suivante. Donc, ça, c'était 72. 1973. On a commencé à trouver des restes, c'était à prévoir, hein. On a commencé à trouver des restes de préhumains de ces années-là. On a trouvé un bout de fémur, un bout de tibia avec l'articulation du genou. Et j'avais appelé ce fossile le genou de Claire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, je trouvais que c'était très joli. Mais comme en 1974, on a trouvé les 52 morceaux du petit squelette de Lucie, Claire a été complètement oubliée, et je le regrette beaucoup parce qu'elle avait un genou superbe. Très, très ressemblant au genou de Lucie, d'ailleurs. Ce sont les mêmes personnages, hein, c'est la même espèce. 1974, Lucie, mais ce n'est pas tout. 1975, il y a eu toute une série de restes fossiles très intéressants de la même espèce humaine, préhumaine, avec des petits, des moyens, des grands, enfin, vraiment comme si c'était une famille. Et Johanson l'avait appelé « The First Family », parce que « The First Family », aux États-Unis, c'est la première famille, c'est la famille du président de la République, quoi. Évidemment, il faut le savoir. Et en 1900, on est retourné en 1976-17, la dernière expédition dans cette première séquence. Et on a trouvé encore beaucoup de choses.
Et on a arrêté en 77 parce qu'il y avait la guerre en Érythrée. Le Tigré s'était joint à l'Érythrée. Et puis, il y avait le maquis dans l'Ogaden. Donc, on était entre un maquis et une guerre. Et donc, les caravanes d'armes nous passaient sous le nez. Enfin, c'était pas très, très, très sain, quoi. On n'a pas eu envie de devenir fossile tout de suite. Et donc, on a arrêté. Et il y a eu une grande coupure politique aussi, et une grande coupure dans la recherche en Éthiopie. Et les travaux ont été repris en 90, dans les années 90, à partir de 90, 1990, par Donald Johnson, qui ensuite a passé la main à un de ses élèves et collaborateurs, qui s'appelle William Kimball. Et aujourd'hui, il passe encore la main à quelqu'un d'autre parce que Kimball s'est retiré. Mais c'est une mission qui dure depuis. Alors, elle n'a pas été continue, mais elle a été très, très importante, successivement très importante. Et il n'y a pas eu de découverte aussi importante que celle du petit squelette de Lucie. Mais il y a eu des découvertes très importantes aussi sous la forme de crânes, notamment un crâne de femelle qui a permis de voir que Lucie était bien une femelle, et un crâne de mâle qui a permis de voir qu'il y avait un beau dimorphisme sexuel entre mâle et femelle. Et ça, c'était donc dans les années, je vous dis, 90, 2000, 2010. Et j'ai sauté une étape importante, c'est celle de 1978. En 1978, Johnson a eu l'initiative de donner un nom d'espèce nouvelle à ces restes fossiles. Et il s'est associé à Tim White et à moi-même. Et donc, c'est donc Australopithecus afarensis, Johnson, White et Coppens. Et pourquoi White? White n'était pas avec nous sur le terrain, mais White travaillait en Tanzanie. Et White avait trouvé en Tanzanie des restes fossiles préhumains importants et des traces de pas fantastiques dont vous avez sûrement entendu parler. 3,6 millions, hein, quand même. Et il se trouvait que les restes de Tanzanie ressemblaient vraiment beaucoup aux restes de l'Afar. Si bien que je trouve malencontreusement, mais enfin, l'ensemble a été associé sous le nom d'une seule espèce, Australopithecus afarensis. Et ce qui est un petit peu malheureux, c'est que, vous savez, il faut toujours un type, une pièce qui est l'holotype. Et l'holotype d'Australopithecus afarensis, c'est en fait une mandibule découverte en Tanzanie. Alors, ça sera à revoir sûrement un jour, mais c'est un peu maladroit, quoi. Enfin, peu importe. En tout cas, on a terminé l'histoire de cette manière-là. Alors, pourquoi Johnson le premier? Parce que nous étions partis à quatre, comme je vous l'ai déjà dit. Taïeb a dit il ne faut pas faire comme d'autres expéditions, et il pensait à celle que l'on conduisait dans le sud de l'Éthiopie. Il ne faut pas se séparer le terrain comme on sépare les concessions minières. Il faut véritablement travailler ensemble. Donc on s'est dit, on démarre tous les quatre ensemble. On sera tous les quatre directeurs. Et puis l'un de nous, John Kalb, est parti. Il est allé faire son expédition ailleurs. Donc on est resté trois. Et on est resté trois tout le long du chemin. Et on avait dit qu'on publierait tous les trois, mais que le premier auteur, ça c'est important, le premier auteur serait celui qui ferait la découverte ou celui dont quelqu'un des siens ferait la découverte. Et il se trouve que les premiers morceaux de Lucie ont été recueillis, ont été ramassés, rencontrés, découverts par un garçon qui s'appelait Tom Gray et qui était élève en thèse de Johnson et Johnson lui-même. Donc Tom Gray et Johnson ramassent les premiers morceaux de Lucie. Donc Johnson a toujours été le premier auteur de tous les travaux sur Lucie, ce qui est normal. Mais on s'est divisé le boulot, c'est-à-dire que dans mon labo ici, il y a eu aussi beaucoup de travaux. Sur le plan de la recherche, donc, voilà un peu le point de l'histoire de la recherche, voilà un peu comment ça s'est passé. Juste deux mots sur le désert, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Le désert de l'Afar est un désert. Pas très désert par rapport à d'autres déserts. C'est drôle de dire ça comme ça, mais j'ai connu beaucoup d'autres déserts. J'ai commencé mes travaux au Tchad. Le Tchad, c'était le grand nord du Tchad, c'était le sud-est du Sahara.
et c'était un désert beaucoup plus rude que celui de l'Afar. L'Afar, il y avait encore des petits bouquets d'arbres de temps en temps, d'arbustes de temps en temps, dont du khat. Alors le khat, qu'on appelle aussi le tchat, ça se mâche et c'est un petit peu une drogue. Si bien que quand on a appelé Lucie LSD, on n'était pas loin d'une certaine réalité, quoi. Donc, j'exagère peut-être, mais moi j'en ai consommé, ça me tournait sur l'estomac, donc je ne peux pas faire beaucoup de publicité pour le tchat, mais les gens du secteur et les gens de l'autre côté de la mer Rouge, du Yémen, en consomment de manière considérable, tout le temps. Il y a des avions entiers de cette plante qui sont transportés de l'autre côté de la mer Rouge, en Arabie et au Yémen. Et ce désert est aussi le long du fleuve Awash, un petit filet de verdure, un petit filet d'arbres, ce qu'on appelle une forêt galerie, qui n'est pas galerie en fait, forêt riveraine, c'est mieux. Et d'autre part, cette humidité se retrouve aussi par la faune, c'est-à-dire qu'il y a des gazelles, mais il y a des gazelles un peu partout, mais il y a aussi des ânes. Et c'est la première fois que je voyais ça. Il paraît que c'est une des rares régions du monde, peut-être la dernière, qui a encore des petites troupeaux d'ânes sauvages. C'était très impressionnant. Et on les trouve par, 6 ou 8 ou 10, des petits paquets. Mais c'est amusant. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire et la grande histoire en même temps, qui est désormais assez célèbre. Maintenant, la science. La science, alors on a étudié Lucie, bien sûr. Alors je vous la fais rapidement de la tête aux pieds, du plafond au sol. La tête de Lucie, c'est juste quelques ossements cassés, mais on a trouvé d'autres de crânes après qui étaient bien plus présentables, donc on a compris comment ça se présentait. Mais le crâne lui-même n'est pas, le crâne de Lucie lui-même n'est pas très exploitable. Mais en gros, c'est un crâne un peu allongé, un peu projeté, avec un beau prognathisme, avec une face en pelle, shovel shape, une face un petit peu concave, avec un encéphale, enfin un crâne qui recouvre un encéphale petit. C'est de l'ordre de 400, peut-être un petit peu plus, mais c'est de l'ordre de 400 centimètres cubes. Je le disais tout à l'heure aux enfants, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'ils ont retenu ça, mais aujourd'hui, on est quand même à 1400 centimètres cubes, quoi. Et les premiers humains sont autour de 600, enfin, ça monte doucement. Alors, bien sûr que la réflexion n'est pas strictement liée à la capacité, mais ça joue. Ça joue néanmoins un rôle, même s'il y a des petites têtes aujourd'hui, des grosses têtes, il n'empêche que dans la séquence chronologique, ça a une valeur, j'insiste. Et quand on regarde l'irrigation de ces encéphales, on voit bien que l'irrigation augmente et elle augmente. Enfin, quand on a besoin de penser à quelque chose, le sang vous vient. Et si le sang vous vient, il faut qu'il ait des canaux pour venir. Et donc la circulation sanguine que l'on retrouve par les vaisseaux de la dure mère d'une des méninges se trouve marquée sur la face interne de la boîte crânienne, si bien qu'on suit très bien l'évolution de cette complexité de l'irrigation, ce qui est important. Donc voilà pour la tête. Les dents sont encore fortes, si bien qu'il y a une tendance au thorodontisme, à la force notamment des prémolaires et des molaires, qui se retrouvera probablement dans sa descendance. Je ne crois pas que Lucie soit l'ancêtre de l'homme, des humains. Ceci dit en passant. La colonne vertébrale, le rachis, c'est très intéressant, parce que le rachis, on ne l'a pas en entier, loin de là, mais on en a quand même quelques éléments. Et il est fait des lordosifoses, c'est-à-dire qu'il a les courbures de notre colonne vertébrale. Pas tout à fait, un petit peu étiré, mais quand même. Et si la colonne vertébrale est comme ça, avec ses courbures, c'est évidemment pour tenir une station debout. Quand on est debout, on a besoin d'équilibrer
sa colonne vertébrale, la colonne vertébrale de votre petit chien ou petit chat, elle n'est pas du tout comme ça, hein. Elle n'a pas besoin de faire des vagues. On arrive au bassin, qui est évidemment extrêmement important. Et le bassin, c'est un bassin qu'on appelle un bassin en pression. C'est facile à comprendre. Si l'être est debout, à ce moment-là, on n'en connaissait pas beaucoup, hein, de ces squelettes d'êtres qui ont été debout, qui étaient debout. Si on est debout, l'ensemble des organes pèse sur le bassin. Donc le bassin de votre chien, je reviens à votre chien, je veux absolument que vous ayez un chien, mais c'est peut-être pas, de votre petit singe, si vous voulez. Quoique, petit singe, c'est autre chose. Donc le bassin, il a le rôle dans la locomotion et le rôle dans la parturition, mais il n'a aucun rôle dans le portage de l'ensemble du corps. Tandis que vous-même, je n'ose pas me mettre debout parce que je tiens mal debout, mais nous-mêmes, on a tout le poids du corps sur le bassin, et du coup, ça fait un bassin qui est beaucoup plus large et beaucoup moins haut. Moins haut et beaucoup plus large. Alors, moins haut, beaucoup plus large, pour une question de locomotion, c'est entrer en conflit avec la parturition, ce qui est moche quand même. C'est-à-dire que la parturition, l'accouchement de Lucie est devenu aussi compliqué que l'accouchement de la femme. Lucie accouchait comme une femme, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle accouchait en avant de l'ischion, enfin, pardon du détail. Mais en tout cas, pas du tout comme les singes qui au contraire, ont un accouchement rétro-ischiatique en arrière de l'ischion. Donc cette complication, finalement, ce bricolage, comme à chaque fois, hein, ce bricolage de l'évolution est dû au fait qu'il a fallu que la nature compose avec le redressement du corps et avec l'accouchement. Évidemment, l'accouchement, c'est essentiel. Autrement, notre espèce se serait arrêtée là. Enfin, c'est ridicule même de poser la question. Mais c'est intéressant de savoir que Lucie, dès 3 millions d'années, accouchait comme nos femmes aujourd'hui. On continue. Non, on reste un petit peu au bassin. Donc, comme je vous le disais, avec Johansson, on s'est partagé le travail. C'est-à-dire qu'il a eu des élèves, des collaborateurs qui ont travaillé en Amérique sur tout le corps. Et nous, moi, dans mon équipe, j'ai eu aussi toute une série de collaborateurs, collaboratrices qui ont travaillé sur tout le corps. Et c'était une certaine Christine Berge, que j'ai un petit peu perdu de vue, qui préparait sa thèse sur le bassin. Et un jour, forcément, comme dans tout laboratoire, les jeunes gens qui font leur thèse présentent des séminaires pour montrer ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont réussi à trouver, la manière dont ils orientent leurs recherches et leurs travaux. Et ce jour-là, il nous a montré que les muscles glutéaux de Lucie n'étaient pas développés comme ceux de l'homme. Alors les glutéaux sont les fesses. Et on a, sachez-le, vous êtes assis dessus, on a le gluteus minimus, le long de l'os, le gluteus medius, le gluteus maximus. Et le gluteus maximus, c'est le nôtre. On a vraiment un grand fessier parce qu'on est debout en permanence et que, enfin en permanence, sauf assis, et qu'il faut, toujours comme à la colonne vertébrale, cet équilibre du corps redressé. Et étudiant l'insertion des muscles, Christine Berge, ce jour-là, nous a expliqué que l'arrière-train de Lucie, c'était comme un arrière-train de guenon, c'est-à-dire que c'était son gluteus minimus qui était le plus développé. Elle avait le derrière plat, quoi. Et alors, c'est drôle parce que la science est froide, quoi. On écoute ça et on prend connaissance, on prend des notes et on est intéressé et on regarde soi-même. Mais en dehors de ça, quand on est sorti du séminaire, il y avait une morosité parmi tous les chercheurs, comme si c'était imaginé depuis longtemps Lucie vue de dos. Et Lucie vue de dos ressemblait à un petit singe vu de dos, quoi. C'est terrible ce que je vous raconte. Par ailleurs, comme elle grimpait, on va y venir, et elle marchait, elle roulait des épaules pour rouler des hanches et pouvoir tenir debout. Sa station debout n'était pas encore
tout à fait bien installée. Et tout ça, c'est formidable, quoi. Parce qu'on voit les choses en train de se faire, on voit la morphologie se mettre en place. Bon, je continue. Le fémur. Alors, le fémur a un col un petit peu long et il a une diaphyse oblique. Et ça, c'est intéressant parce que la diaphyse oblique, ça montre que le personnage est debout. Chez nos petits, nos enfants, la diaphyse est verticale dans les premières années. Dès que l'enfant est debout, la pesanteur fait que le fémur devient oblique pour rejoindre l'axe de gravité qui passe au niveau des genoux. Donc tout était bien, tout ce corps-là de la tête au fémur indiquait bien une station debout, mais on arrive au genou, et le genou, ça ne marche plus au sens propre du terme. L'extrémité du fémur, c'est une échancrure. C'est une échancrure comme ça, intercondylienne, et cette échancrure entre dans la partie supérieure du tibia qui a des épines. Et chez nous, les épines sont très séparées et l'échancrure est étroite. C'est-à-dire que le frottement est un frottement dur, si j'ose dire. C'est pas un frottement parce qu'il y a beaucoup de choses entre les os, mais quand même. Et donc, on essayait, vous verrez, on peut lancer la jambe dans un sens et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Chez Lucie, l'échancrure intercondylienne est large et les épines sont très rapprochées. Quelquefois, on dirait même qu'il n'y a qu'une seule épine. Si bien qu'il y a une certaine laxité. Et c'est typique d'un genou de grimpeur. Et à cause de ce genou, enfin, ou grâce à ce genou, on a vu que Lucie grimpait. C'est une autre jeune femme qui faisait sa thèse sur le genou, qui s'appelait Christine Tardieu. Et Christine Tardieu, je me rappelle, était venue me voir désespérée en disant bah, le genou, ça ne marche pas. Maintenant, en effet, ça ne marche pas, ça grimpe, quoi. Et à partir du genou, tout le reste était instable. C'est-à-dire que les autres os, la cheville était instable. Le pied, on l'a su notamment par les os, mais aussi par les empreintes. Le pied avait un gros orteil abducté, c'est-à-dire un petit peu divergent des autres orteils. Les orteils étaient courbes. L'appui était externe. Et comme je le disais tout à l'heure, comme la station debout n'était pas très bonne, il fallait que Lucie roule beaucoup des épaules pour rouler des hanches. Et comme elle roulait des hanches, les pas étaient soit très rapprochés, ce qui n'est pas le cas des nôtres, c'est-à-dire que le bord interne du pied gauche était dans l'axe du bord interne du pied droit, et parfois croisé. Parfois, c'était comme ça. On a une petite piste à l'Aïtoli de cinq empreintes qui sont croisées, quoi, véritablement. Et bien sûr qu'on s'est amusé. Hein. Les Anglais qui travaillaient sur le site ont dit ce sont des Australopithèques qui sont passés à cloche-pied pour embêter les paléontologues. Et les Français, vous le connaissez, ont dit mais non, c'est parce que le vin est bien plus ancien qu'on imagine. Mais cette histoire-là est très impressionnante. Et un jour, j'étais chez moi et je reçois un coup de fil d'un copain qui me dit « Allume la télé, regarde sur la 2, enfin, ou la 3, je ne sais plus. Et tu vas voir, il y a un défilé de mannequins, elles marchent toutes comme Lucie. » Donc j'ai pu quitter, bien sûr, les défilés de mode depuis, comme vous l'imaginez. Ceci dit, ce sont des petites histoires amusantes, mais l'affaire anatomique est très sérieuse. Et on arrive au membre supérieur qui, lui, alors, est typique d'un grimpeur. Le membre supérieur est au contraire très solide. Autant le membre inférieur est un peu lâche, autant le membre supérieur est solide, contrairement au nôtre. Nous, on a un membre inférieur très solide et un membre supérieur beaucoup plus lâche, puisque nos bras sont ballants, hein, un peu ridicules d'ailleurs, ils tombent comme ça. Heureusement qu'on a des poches. Et le membre supérieur de Lucie a des articulations très très solides. Par exemple, l'articulation de l'humérus sur le radius et l'ulna est une double poulie. Au lieu d'avoir, nous, on a une poulie pour l'articulation du genou, du coude, excusez-moi. Et
Lucie a une double articulation ici, ce qui fait un bras très solide. Quand on grimpe dans les arbres, on a besoin que ça ne dérape pas, quoi, évidemment. Les mêmes choses dans le poignet, très très solide aussi. Et comme pour le pied, les phalanges de la main sont des phalanges courbes, aussi très caractéristiques des grimpeurs. Donc on est arrivé à cette conclusion facile de voir que Lucie était en effet debout incontestablement, mais qu'elle était aussi grimpeur incontestablement. Et ce qui a fait le succès de Lucie à ce moment-là, c'est d'abord qu'elle était considérée comme le plus ancien fossile de préhumain connu. C'était faux, mais ça a été considéré comme ça. 3,2 millions, hein, 3 180 000. Ça a été considéré comme ça. C'était faux en ce sens qu'il y avait une dent. Une dent qui avait été trouvée juste cette même année-là, 1974. Une dent dont peu de personnes n'ont fait cas. Moi, pardonnez-moi de me vanter, mais j'en ai fait cas tout le long de cette histoire avant qu'elle ne soit vraiment reconnue. Et c'était une molaire supérieure qui me donnait vraiment l'impression d'être humaine, préhumaine. Or, elle avait 6 millions d'années, celle-là. 6 millions d'années. Et elle venait d'un site qui s'appelait Lucchino. Et lorsqu'un jour, Brigitte Senu et Martin Pickford m'ont dit... où est-ce qu'on pourrait aller travailler au Cagnard ? Je leur ai dit Lucchino. Et c'était Pickford qui avait récupéré cette dent à Lucchino. Ils sont allés à Lucchino et ils ont trouvé Aurine. Ils ont trouvé Aurine, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ce préhumain deux fois plus ancien que Lucie et qui avait été préfiguré par cette petite dent que personne ne prenait beaucoup en considération. Enfin bref. Sur le plan de l'information générale, Lucie apparaissait à ce moment-là comme le plus ancien préhumain connu. Lucie apparaissait incontestablement à ce moment-là comme le squelette, non pas le plus complet, mais le moins incomplet que l'on connaisse. Comme je l'ai dit aux enfants tout à l'heure, 52 ossements sur 206, mais comme il y a beaucoup d'ossements pairs, on peut reconstituer le personnage. Et d'autre part, alors ça, je suis fier parce que c'est dans mon labo que ça s'est passé, la première perception de la bilocomotion, de la locomotion à la fois bipède et la marche et la grimpette, à la fois les deux. Et ça a été confirmé à ce moment-là, on était en conflit avec l'équipe américaine, mais ça a été largement confirmé par des quantités de découvertes ensuite, par la découverte d'Aurorine, par la découverte d'Ardipithèque, par la découverte d'un jeune australopithèque qui a été appelé Selam dans un autre gisement tout près d'une autre. Le nôtre s'appelle Adar, je ne l'ai pas dit. Et celui-là s'appelle Dikika. Et là, c'est un collègue éthiopien qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Alem Seget Zeresenay. Je suis fier. Alem Seget Zeresenay est venu faire sa thèse à Paris avec moi. Et puis ensuite, il a volé de ses propres ailes. Et aujourd'hui, il est professeur à Chicago. Et c'est lui qui a fouillé à Dikika, dans ce gisement tout près de Hadar. Et c'est lui qui a trouvé donc ce petit personnage qui est un petit d'Australopithecus afarensis. Il a dit peut-être une petite fille de 6-7 ans. Enfin, voilà. Et il a appelé Selam. Selam, c'est comme Salam, ça veut dire la paix. Et quand je lui ai dit, petite anecdote aussi, mais forcément, quand on est au cœur de ce milieu, on connaît beaucoup de petites histoires. Et je lui ai dit, à Alem Seget, comment tu l'appelles ? Il me dit, je voudrais l'appeler Selam, mais ma femme s'appelle Selam. Et elle m'a dit, il n'y aura jamais deux Selam dans ta vie. C'est moi ou c'est la petite ? Et comme il a appelé la petite, je ne sais pas, je n'ai jamais osé lui demander ce qui s'était passé dans sa vie personnelle, dans sa vie privée. Voilà, un petit bout de la petite histoire. Voilà la science. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a trouvé beaucoup d'autres restes. On a trouvé incontestablement beaucoup plus anciens. 3,2 millions pour Lucie, 4 millions à 5 millions pour Ardipithecus, 6 millions d'années pour Aurine, 7 millions d'années pour Toumaï.
donc beaucoup plus vieux. On a trouvé beaucoup plus complet un petit squelette trouvé en Afrique du Sud d'à peu près du même âge, 3,4 millions au lieu de 3,2 millions, c'est pareil, a été trouvé après, enfin c'est toute une autre histoire, a été trouvé à près de 98-99%, donc bien plus complet que Lucie. Mais Lucie demeure le personnage qui a permis de voir que ces préhumains marchaient, grimpaient un peu comme ceux d'avant et marchaient un peu comme ceux d'après, un peu. Ce qui est formidable pour un paléontologue. Trouver un ancêtre qui ait des caractères d'avant et des caractères d'après, c'est l'idéal. Alors c'est un peu grossier ce que je dis, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. Lucie dans la cité, un petit peu de temps encore. C'est mon contrôle horaire là, non ? Merci. Lucie dans la cité, je suis persuadé que le fait d'avoir reconstitué le personnage de Lucie l'a rendue vivante, quoi. C'est-à-dire que la petite Lucie, au lieu de voir trois bouts d'os, on a vu un petit personnage vivant, debout, drôle, à la fois petit, 1m10, 1m20, léger, trentaine de kilos, ancien, exotique, africain, ancêtre, probable, on disait le maire de l'humanité, c'est peut-être pas ça, mais ça fait rien. C'est tout d'un coup le symbole et l'emblème qui s'installe, quoi. Et moi, j'ai fait plein de conférences avec des publics variés, avec un bout d'os que je brandissais, j'étais sûr que c'était bien compris, puis un bout de caillou que je brandissais d'un autre côté en disant « Regardez comme il est bien taillé ». Et je suis persuadé, en fait, que beaucoup de gens ne m'ont pas cru, quoi. Ou m'ont cru sur parole pour les plus gentils, ou bien ne m'ont pas cru du tout. Quand on montre un os, qu'est-ce que ça vous dit un os ? Surtout que j'ai toujours été un petit peu récalcitrant de faire des PowerPoint, un peu par paresse, mais... c'était pas facile d'être convaincant avec ça. Tandis que lorsque le petit personnage est debout, j'ai vu ça en étant directeur scientifique des films de Malater, dont l'Odyssée de l'espèce, dont on peut critiquer en partie, mais qui a fait quand même un beau tabac. Dans ce film-là, on a mis les préhistoriques debout. On les a fait vivre. Et tout d'un coup, les publics ont vu des gens qui n'étaient pas si horribles qu'ils imaginaient, qui étaient bien plus proches d'eux qu'ils n'avaient pensé, qui avaient les mêmes joies, les mêmes malheurs, les mêmes tristesses, les mêmes questions. Et tout d'un coup, la préhistoire s'est rapprochée des gens, ou les gens de la préhistoire, j'en sais rien. Mais ça a beaucoup changé les choses. Je crois que le film en est à 300 millions de vues, enfin quelque chose de ce genre. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quand même un petit peu. Et donc la petite Lucie étant debout, on se l'est mieux imaginé. Elle est devenue un petit personnage vivant. Elle est devenue un petit personnage, d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, qui, de manière amusante, mais ce n'est pas surprenant, a changé en fonction des cultures qui les représentaient, avec les mêmes os dont j'ai les moulages dans mes tiroirs. Les gens ont fait une petite Lucie très singe, très velue aux États-Unis. On fait une petite Lucie glabre et enceinte, parce qu'ils ne savaient pas faire le ventre, m'ont-ils dit, en Suisse. On fait une petite Lucie maigre possible, avec des seins comme des chaussettes, en Angleterre, mais avec l'astuce de mettre un petit moteur dans le crâne, si bien que les yeux bougeaient de temps en temps. Il fallait voir ça. C'était au British Museum. Des enfants qui disaient « Oh, donnez, she moved, she moved !» Il y avait un petit regard qui bougeait. C'est formidable d'avoir cette idée pour l'enseignement. C'est merveilleux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la Lucie a pris un petit peu la teinte de la culture de ceux qui la fabriquaient. Et je terminerai, c'est beaucoup dire, mais la série de mes Lucies, il y en a beaucoup. Peut-être par la petite italienne, qui est tout à fait ce qu'il ne faut pas, quoi. Alors que Lucie n'a pas de taille, la petite italienne est pincée à la taille comme il n'est pas permis. C'est une vraie pépette des savanes, quoi. C'est vraiment
Elle est vraiment superbe, mais elle n'a rien à voir avec la reconstitution scientifique du personnage. Mais c'est intéressant. Donc la voilà dans la cité, Lucie. Et c'est intéressant de voir que du coup, elle a entraîné beaucoup de peintures, de dessins, de sculptures, la preuve, mais aussi de poèmes. Je reçois encore aujourd'hui des poèmes sur Lucie, symbole du début de l'humanité, symbole de l'origine africaine de l'humanité, symbole de la grande histoire de l'homme quand même, et c'est tout à fait bien. Et au début, il y a eu un certain nombre de gens qui ont même fabriqué des syndromes, des complexes de Lucie. Le syndrome de Lucie, c'est intéressant. J'avais été interviewé pour la Coupe du Monde de foot de 98, je crois. Et on m'avait dit, sur le foot, vous n'avez rien à dire. Mais je dis, si, contrairement à ce que vous pensez. Vous avez vu vos joueurs, quand ils préparent un sprint, ils se mettent en position presque à quatre pattes, quoi. Avant de décoller le sprint, avant aussi de courir d'ailleurs. Et c'est pour éviter les claquages. Et les claquages seraient dus au fait que les muscles de la cuisse, les muscles ischio-jambiers, n'ont pas subi suffisamment vite le redressement du corps. Donc ils ne seraient pas encore tout à fait adaptés au redressement du corps, d'où les claquages que se font les sportifs. Et c'est un médecin du sport qui a fabriqué ce syndrome de Lucie. Et j'ai reçu plein de thèses à une certaine époque sur le syndrome de Lucie. Alors, le complexe de Lucie, ça a été dû à un psychiatre qui m'a écrit qu'il voyait Lucie comme quelqu'un qui confondait la veille, le jour et le lendemain. Donc, c'est le complexe de Lucie. Je ne suis pas sûr que Lucie ait été aussi bête que ça, mais... En tout cas, le complexe de Lucie, c'est quelque chose de ce genre, etc. Il y a une coupe de foot, c'est le cas aussi, qui s'appelle la Lucie Cup en Éthiopie. Maurice Taïeb, qui est allé en Éthiopie il n'y a pas très longtemps, m'a dit il y a maintenant une marque de taxi, enfin, il y a un taxi qui n'est pas le G7 ou l'Alpha, mais qui est le Lucie, la société Lucie. Il y a à Addis Abeba, à l'entrée du musée, le petit restaurant Lucie. Il y a au musée de l'Homme, le café Lucie. Merci, c'est toujours agréable. Toujours agréable d'être représenté par petite fille ou petite filleule interposée. Donc Lucie est partout et beaucoup plus qu'on imagine. Je vous donne encore quelques exemples. Les chercheurs brésiliens en Amérique, autour de 30 000. En tout cas, celui de 12 000 ans a été appelé Lucia. L-U-Z-I-A, évidemment, en référence à Lucie. Et deux collègues grecs ont fabriqué le Luca. L-U-C-A. Le Luca, c'est le Last Universal Common Ancestor. Last Universal Common Ancestor. C'est-à-dire que les premiers êtres vivants ont différentes filiations, mais le plus ancien ancêtre commun, notre plus ancien ancêtre commun, serait le Luca. Donc là aussi, c'est par référence à Lucie, bien sûr. Donc il y a aussi une diffusion dans la cité scientifique, si j'ose dire, hein. Une diffusion de Lucie, une connaissance de Lucie et une copie de Lucie dans la communauté scientifique. Dans la communauté astronomique, un chercheur canadien, le premier, je crois, a appelé un astéroïde Lucie. Et puis ensuite, un chercheur français a appelé un astéroïde Copans. J'en ai un qui tourne là, entre Mars et Jupiter. Et un autre qui n'avait pas donné de nom à son astéroïde. Et finalement, cet astéroïde a été appelé Donald Johnson, donc chacun a le sien. Et celui-là tourne aussi autour de, bien sûr, il circule depuis un peu plus de 4 milliards d'années, hein, ça doit être de la naissance du système solaire. Et il y a une sonde qui doit être envoyée, il y a une sonde japonaise qui a été envoyée il n'y a pas longtemps, qui a fait des prélèvements sur des astéroïdes, mais il y a une sonde qui va être envoyée par la NASA à l'automne, et qui est destinée, qui s'appelle Lucie, la sonde.
Et elle est destinée à aller voir justement nos petits astéroïdes, Lucy, Donald Johnson et Coppens. Je crois qu'elle doit revenir en 2033, donc je ne risque pas de la voir. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Mais en tout cas, c'est drôle d'ailleurs de lancer des instruments comme ça sur des temps pareils et sur des distances pareilles. C'est aussi une jolie réflexion. Donc voilà toutes ces choses. Donc Lucie est incontestablement dans la cité et bien d'autres manières encore. À Montigny-les-Cormeilles, qui a été la commune qui a fait la première place Lucie, au monde, c'est quand même pas rien. Et je terminerai par des petites histoires personnelles pour vous montrer que la gloire est celle de Lucie, et c'est aussi un petit peu la nôtre, mais quelquefois pas du tout. Alors ma première petite histoire, peut-être, c'est celle d'un taxi que je prends un jour après la découverte de Lucie pour aller chercher un avion à Roissy. Et le taxi n'avançait pas, c'était agaçant, j'étais un peu juste du point de vue de l'horaire. Et le chauffeur se retournait, il devait se dire, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Il se retournait, c'était agaçant. Et puis tout d'un coup, l'idée lui vient et il me dit, comment va Julie? Je me suis dit, c'est peut-être Julie existe peut-être, après tout. Et donc je me suis risqué, je dis, ben, toujours aussi squelettique. Et il a beaucoup ri, puis après il a roulé normalement. Donc ça devait être Lucie en fait. Il a dû être triste après, que je ne l'ai pas rectifié d'ailleurs. Une autre petite histoire, j'ai eu un enfant tard, mais à chaque fois que je le dis au public, ça me regarde. Donc ce petit garçon est né en 95, et j'étais un jour rue de la Roquette. Je sortais de chez son pédiatre, il pleuvait, un peu comme aujourd'hui, et je poussais le petit garçon dans sa poussette. Et les voitures à l'époque, je crois encore maintenant, de la rue de la Roquette, c'est dans le sens, en tout cas, contraire au mien. Moi, je montais vers la place de la Bastille, les voitures allaient dans l'autre sens. Et encore une fois, il pleuvait beaucoup. Donc les voitures roulaient, mais pas très vite. Et parmi les voitures, un camion important, pile, vous savez, quand les camions pilent, ça fait un certain bruit de pneus, et la vitre se baisse, et le chauffeur à moitié dehors me dit « C'est Lucie !» Donc j'ai eu la gloire, quoi. Et alors la dernière histoire va un peu changer la donne, changer les choses. La dernière histoire que je trouve superbe, c'est l'histoire d'un ami qui, en 1982, je l'ai vérifié, a fait un film sur l'origine de l'homme pour la télévision. Et pour être gentil avec moi, il a appelé ce film Yves, Lucie et les autres. Yves, Lucie et les autres. Et au moment de la sortie du film, 82, j'étais encore ici, et ma secrétaire était Monique Tercis. Et je me rappelle que Monique Tercis avait reçu un coup de téléphone d'un journal de télévision que je n'oserais pas citer. Et la journaliste disait, ce film Yves, Lucie et les autres va sortir. Pouvez-vous nous envoyer pour le journal des photographies des deux squelettes? Voilà. Je finirai là-dessus. Ça veut dire gloire à Lucie. Puis les inventeurs, salut, quoi. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas si. Oui, très bien. Merci à tous. Merci pour cette belle après-midi et tout ce voyage que vous nous proposez. C'est toujours un vrai bonheur. Merci à André Delpech, à Anne Leurf d'avoir l'idée de ce cycle de conférences. Et puis Yves Coppens de m'avoir convié en tant que discutant. Voilà, donc c'est ma première du genre. Et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Mais maintenant, j'ai compris le piège. C'est que vous avez tout dit et qu'il va être maintenant complexe de rebondir et d'approfondir. Anne Leurf avait dit « Trouvez-moi une cavalière ». C'est joli. Hein. Ah, c'est joli aussi, tout à fait. Non, on peut peut-être revenir sur l'idée du cycle de conférences de Lucie dans la cité que vous avez très bien traité, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on se dit cette Lucie, maintenant, elle nous appartient à tous.
Elle fait partie de notre patrimoine commun. Enfin, voilà. vous l'avez dit, c'est notre arrière-arrière-grand-mère. C'est vraiment très, très ancré. Alors, chez les Occidentaux, voilà, la question, c'est maintenant, est-ce que quand on dépasse un peu ce cercle-là, comment est-ce que ça se passe? Alors, d'abord, la première question, c'est un peu pourquoi est-ce qu'on a réussi, vous avez réussi, mais j'allais dire peut-être aussi porté par toute une époque et ses composantes, à installer aussi durablement Lucie dans notre patrimoine commun. On a quelques éléments de réponse à vous entendre. Je notais d'abord le caractère, et pour nous, en plus, archéologues, paléontologues, paléanthropologues, enfin jeunes chercheurs, plus ou moins jeunes d'ailleurs, en fait, pour nous, vos expéditions dans l'Homo et dans différentes régions d'Afrique orientale et d'Afrique du Sud, ce sont les vraies expéditions. C'est-à-dire que c'est vraiment les expéditions, il y a des blancs dans la carte, on parcourt cette carte et on ne sait même pas réellement à quoi ça attendre en termes de découverte. Je dirais qu'aujourd'hui, les mailles de la carte sont un petit peu plus documentées et que les découvertes qu'on fait, quelquefois elles perturbent, quelquefois elles sont inattendues. Enfin, une découverte par définition est inattendue, mais je veux dire, on a un champ de connaissances qui s'est étoffé et donc on a moins cette impression d'une véritable aventure scientifique de ces années 60 où l'aventure est à tous les niveaux. Donc je pense que c'est un premier ingrédient pour vraiment faire rêver la population. J'ai pensé aussi, en vous écoutant relater cette expédition franco-américaine, américano-française, et les rapports que vous avez eus entre chercheurs et comment vous avez régulé ces rapports, etc., arbitré certaines décisions et autres, j'ai pensé qu'il se dégage quand même une certaine osmose de cette petite communauté scientifique et que ça, c'est peut-être un deuxième ingrédient parce que c'est comme ça qu'on la conçoit, la science, la pratique scientifique. On sait tous que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il y a évidemment des conflits d'intérêts de temps en temps, des choses un petit peu difficiles à gérer. Mais je veux dire, là, j'ai l'impression que parce que justement cette expédition, elle était mixte en termes de nationalité, elle a donné aussi cette impression d'une entente cordiale, d'une certaine osmose entre scientifiques. Ça peut être un deuxième élément. Puis après, tout ce que vous avez rappelé, des spécificités même de Lucie, qui était une découverte en soi et que vous avez ensuite réussi à totalement incarné par différents moyens. Et justement, je me demandais si c'était pas aussi un peu le début de notre société des médias. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est complètement dedans. Dans les années 60, vous le rappelez, ça passe par un téléphone fixe, une revue, un journal qui vous appelle, etc. Enfin, donc, on est dans un autre fonctionnement, évidemment. Donc, ce début aussi de la société des médias, est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce contexte-là? Est-ce que ce n'est pas un des ingrédients qui explique aussi que c'est Lucie et pas une autre, j'allais dire? Alors, bien sûr, vous l'avez expliqué, c'est justifié par les découvertes des fossiles eux-mêmes, qui sont nombreux, qui parlent beaucoup, etc. Mais pour voir un peu dans le contexte, peut-être que d'autres fossiles auraient pu se positionner aussi bien. Et finalement, il faut arriver à comprendre la combinaison. Pourquoi est-ce que c'est Lucie qui sort du lot et qui s'installe nettement dans le paysage? Et le rôle des reconstitutions, en effet, vous avez évoqué le travail notamment d'Elisabeth Den. C'est vrai que ça, les reconstitutions, on en a depuis la fin du 19e siècle. On a presque des reconstitutions avant qu'on ait trouvé des premiers fossiles d'hominines, parce que tout simplement, les gens ont besoin de se représenter cette préhistoire et de rencontrer ces préhistoriques, ces hommes d'un temps lointain. Ils ont besoin de se les représenter. Donc souvent, l'artiste a fourni en fait cette matière-là pour être un support pour incarner la préhistoire. Donc en effet, vous l'avez très joliment rappelé. Peut-être on peut mettre la première diapositive si c'est possible en régie, parce que c'est juste qu'on voit la sculpture d'Elisabeth en entier. Mais peut-être ça viendra par la suite. Voilà, donc essayez de faire un peu le tour de toutes ces composantes qui ont, on va dire, assuré le succès de Lucie dans une audience internationale. Mais ma question, c'est au-delà des Occidentaux, comment est-ce que ça se passe? Et sur le terrain, avec les populations locales avec lesquelles vous êtes très en contact justement dans vos travaux de terrain, comment est-ce que se passent les relations?
Et puis à Addis Abeba, vous l'avez joliment dit, il y a le projet, ou peut-être qu'il est déjà bien avancé d'ailleurs, de musée des origines de l'humanité à Addis Abeba. Mais comment est-ce que la population locale s'est appropriée, va s'approprier ce musée? C'est un peu la question plutôt sur ces populations plus locales, plus proches du terrain et de vos travaux à l'époque. On a l'impression que ça irrigue peut-être moins, alors que très loin, jusqu'en France ou aux États-Unis finalement, on va avoir une Lucie beaucoup plus installée et prépondérante. Oui, c'est que... Enfin, j'ai beaucoup de choses à répondre à ça, bien sûr. D'abord, Lucie, j'en ai pas parlé, en effet. Lucie, elle a été appelée à elle, à phare localité 288. Alors, évidemment, c'était pas très sexy. Et c'est une jeune américaine qui faisait partie de notre contingent de cette année-là. Qui a eu l'idée, qui a dit pourquoi pas lui donner un prénom, et pourquoi pas Lucie, comme Lucy in the Sky with Diamonds. C'était les Beatles, c'était très à la mode, à juste raison, à ce moment-là. Lucy in the Sky, j'ai vérifié depuis, a été créée en 67, donc on était en 74, on n'était pas très à jour, mais comme on était en brousse, ça peut s'excuser un peu, mais on aimait bien les Beatles. Et ce que je dois dire, c'est que le nom de Lucie n'a pas été du tout un coup prémédité. Ça ressemble à un coup de pub réussi, quoi. Moi, je connais beaucoup de gens dans la publicité, ils me disent « chapeau ». Et non, c'est pas vrai, parce qu'on n'y a pas pensé du tout. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que, comme on était dans le désert et qu'on ne voyait personne, petit à petit, quand même, de proche en proche, ça s'est su à Addis Abeba. Et à Addis Abeba, il n'y avait pas de contact avec nous, hein. Il n'y avait pas du tout de téléphone ou de radio ou de portable, à plus forte raison, pas de GPS non plus, d'ailleurs. Et la première déclaration de cette découverte a été faite par une agence qui a dit l'équipe de l'IARE a fait une découverte extraordinaire, ils ont trouvé un petit squelette qu'ils ont appelé Lucie, car Lucie vient de luxe veut dire la lumière, et ils sont éclairés sur nos origines. Alors imaginez une trentaine de jeunes gens, qu'est-ce qu'on pouvait s'en foutre de ce genre de choses? Alors vraiment, c'est pas, faut pas être dans l'ambiance de 30 types dans le désert, on avait d'autres choses à faire que de penser au latin et aux origines superbes de notre affaire. Donc, c'est comme ça qu'est né donc le nom de Lucie. Et alors, c'est vrai que c'était un nom de nos sociétés. Il est effectivement très connu. Lucie est très connue à travers le monde entier, dans une certaine tranche des sociétés. Et par exemple, la société éthiopienne, et c'est dommage, n'a pas trop apprécié ça. Et la société éthiopienne lui a donné un autre nom à Lucie, c'est Dinkinesh. Dinkinesh, ça veut dire t'es merveilleuse, quelque chose comme ça. Et c'était très bien de lui donner un prénom, mais enfin, on l'aurait appelé Dinkinesh. Dans le monde entier, ça n'aurait pas fait trop mouche. Et alors, en ce qui concerne ces populations, beaucoup d'entre nous, je suppose tous, on a essayé, et avec succès, de former des gens. Moi, j'ai formé des gens au Tchad. Michel Brunet en a formé d'autres. Ceux que j'ai formés au départ étaient surtout des ingénieurs ou des techniciens. Ceux que forme Brunet aujourd'hui sont des vrais chercheurs. Et ceux que les équipes américaines et moi avons formés en Éthiopie sont devenus non seulement des chercheurs à part entière, mais des chercheurs du meilleur niveau international, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur la place internationale, au même titre que les meilleurs d'entre nous. Enfin, il n'y a pas de différence. Donc, c'est une manière aussi de faire en sorte que ces sociétés s'approprient ces découvertes qui sont les leurs. Et mieux que ça, puisque j'ai parlé d'Alem Seghet tout à l'heure, Alem Seghet a son propre gisement, sa propre fouille, sa propre responsabilité, à juste raison, quoi. Au début, ce n'était pas très facile parce que les gens que j'avais formés au Tchad, ces pays-là ont forcément d'autres priorités que celle de former des chercheurs de recherche fondamentale tout de même. Donc, ça peut dévoyer les gens.
des gens que j'avais formés sont devenus ministres, des gens qu'a formé Brunet sont devenus ministres, et leur, même s'ils continuent leur recherche, le travail de leur ministère demande quand même suffisamment de temps pour que la recherche soit un petit peu négligée. Donc ce n'est pas toujours très facile. Mais il est bien évident que ces sociétés, enfin, c'est leur propriété, et que c'est un début de tous les chercheurs, c'est de, que les populations locales s'approprient leurs propres biens. Ceci étant dit, c'est une chose qui se fait doucement, mais qui se fait bien, je crois. Qui se fait en tout cas pas mal. Et désormais, il y a des expéditions à part entière qui sont tenues par des gens, ce qui prouve le succès d'ailleurs. En Éthiopie, il y a une belle brochette de chercheurs de très grande qualité, aussi bien en préhistoire qu'en paléontologie. Hein. Au Kenya, ça commence, au Tchad aussi maintenant, etc. Mais au-delà de ce cercle scientifique dans la population locale, vous trouvez qu'il y a une bonne imprégnation, appropriation par la population locale de ce patrimoine qui pour le coup, est le leur très directement? Oui, ça dépend des régions. Mais dans le sud de l'Éthiopie, c'était très joli d'ailleurs. Les populations nous disaient c'est votre affaire, ça ne nous regarde pas. Mais quand on leur proposait de fouiller, ils fouillaient merveilleusement, très méticuleusement, de manière très, très, très intéressante, très agréable, très précise. Et les résultats, ils faisaient très attention, à ne pas briser les choses, à bien les conserver, etc. Mais le reste, c'était notre affaire. Il y a quand même parfois un grand pas à franchir. En Afar, les populations étaient des populations musulmanes qui étaient intéressées par curiosité un petit peu, je pense. Mais désormais, comme il y a ces deux sites de l'Omo dont on a parlé un petit peu et de l'Afar sont entrés à l'UNESCO, dans la liste du patrimoine mondial. Donc il y a une belle plaque maintenant sur le terrain à Hadar. Et forcément, cette plaque attire l'attention. Elle est faite pour tout le monde. Elle est faite pour les locaux, mais aussi pour les touristes. Et les locaux, bien sûr, vont la voir et la commentent sûrement. Donc, petit à petit, quoi, l'information et l'éducation se fait. Mais on peut comprendre hein, que ces gens n'aient pas grand-chose à faire de millions d'années. Il faut quand même les expliquer, les millions d'années. Et au Tchad, j'avais affaire à des gens qui étaient très curieux. Et la curiosité faisait que petit à petit, ils s'intéressaient, cherchaient, trouvaient, après un certain temps. Parce qu'au début, j'ai eu tort. J'ai donné des sous, un petit sou à celui qui m'apportait un beau fossile. C'était tout à fait au début de mes recherches, en 1960 quand même. Et puis, je me suis aperçu plusieurs jours de suite que c'était la même mandibule d'un giraffidé ancien, Civatérium, c'est très beau, mais qu'on m'apportait en morceaux, forcément, puisque c'était chaque morceau que je payais. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai payé évidemment le fossile dans son site, ce qui a un peu changé les choses. Et puis, j'ai eu une petite histoire amusante. J'avais un très, très gentil guide, un type extraordinaire, un grand bonhomme qui s'appelait Aramemi, et qui avait été guide des troupes de Leclerc lorsque les troupes étaient parties du Krogo pour arriver en Libye, traverser la Méditerranée et puis arriver par l'Italie à rejoindre les troupes alliées. Et ce grand guide avait fait passer ces troupes-là le Tibesti, ce qui n'est pas simple, et il était vraiment parfait, on était en très très bonne harmonie. Et puis à un moment donné, il y a des fossiles qui disparaissaient. Alors je m'étonne un petit peu, je fais une petite enquête discrète, et puis je m'aperçois que c'est mon guide qui se les mettait de côté. Alors quand même, je le prends dans le désert, en tête à tête dans le désert, et je lui dis « Pourquoi tu fais ça ?» Ben, il me dit « C'est facile, tu arrives, tu as des chameaux, tu reviens, tu as une voiture, tu reviens, tu as deux voitures,
Donc quand même, tu dois bien en faire quelque chose de tes os. Pourquoi pas moi ? C'est extrêmement logique, quoi. Alors lui expliquait que c'était parce que j'avais des résultats, j'avais un peu plus d'argent du CNRS qui me permettait d'avoir des équipements, etc. C'était un petit peu plus compliqué, mais c'était drôle, quoi. Bien sûr, il m'a rendu mes fossiles, il n'y a pas eu de difficultés. Mais c'était, enfin, j'ai plein d'histoires superbes de ce genre. Merci beaucoup. Je crois que les élèves donc, de l'école de Montigny ont des questions à vous poser directement. Ils sont intimidés peut-être. Qui commence alors ? Bonjour. Comment fait-on pour savoir ? Tu peux enlever ton masque, hein. C'est peut-être mieux. Comment fait-on pour savoir si les hommes préhistoriques étaient intelligents alors qu'on ne trouve que leur squelette ? C'est intéressant, oui. En fait, on ne sait pas très bien, mais on sait quand même des choses. Tu sais, l'intelligence vient en partie du cerveau, de système nerveux central, système nerveux, quoi. Système nerveux et notamment le cerveau, mais quand on dit le cerveau, c'est un peu trop réduit. C'est cerveau cervelet, c'est l'encéphale, quoi, l'encéphale. Donc, cet encéphale n'existe plus. C'est un organe mou, c'est-à-dire que quand on retrouve l'os du crâne, il n'y a plus rien dans le crâne. Mais par contre, il reste un volume. Et le volume qui a contenu le cerveau, on peut déjà l'apprécier. Donc on a déjà un petit peu la quantité de cerveau qu'avait le personnage. Les tout premiers primates ont quelques centimètres cubes. Et puis après, Lucie a 400. Et puis toi, tu en as 1400. Tu comprends ? C'est, on voit bien que ça change. Par ailleurs, lorsque le cerveau se développe, la boîte crânienne est une boîte merveilleuse, hein, qui est un peu souple, mais quand même un peu seulement. Donc il faut caser le cerveau qui se développe dans une boîte qui est un peu contraignante. Et comme c'est difficile, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose grossit et qui ne peut pas se mettre en place ? Il plisse. Il fait des plis, ça fait des circonvolutions. Des circonvolutions plus importantes. Ça plisse. Et tu vois, j'ai eu un petit garçon comme toi, il est grand maintenant. À 25 ans, il n'est pas très grand. Et quand il était enfant, je lui disais, tu vois, si tu ouvres ton crâne et tu sors ton cerveau, c'est effrayant de dire ça à un enfant. Hein. Si ta maman le repasse, tu pourrais dormir dedans. Alors l'idée de dormir dans son cerveau, enfin, je crois qu'il est normal, mais enfin, c'était quand même un peu bizarre comme éducation. Mais là-dedans, c'est plissé, quoi, ça fait des plis. C'est ce qui arrive dans la géologie. Hein. Tu as une plaque, tu connais ça, les plaques tectoniques, les plaques qui circulent. Hein. Et quand une plaque essaye de passer sous une autre et que ça ne marche pas, ça fait des plis. Et les plis, ça fait des montagnes, par exemple. Donc, d'autre part, il y a donc cette histoire de circonvolution. Et les circonvolutions cérébrales s'inscrivent, se marquent sur la boîte interne du crâne. Si un jour t'as un crâne entre les mains, si j'ose dire, pas le tien, hein, mais si t'as un crâne cassé, tu verras qu'il y a les marques des circonvolutions sur la face interne du crâne. Donc tu sais un petit peu la manière dont le cerveau s'est développé. Et d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'irrigation. Parce que quand tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de faire venir de l'oxygène. Et ça arrive avec les cellules, et notamment les globules rouges. Et donc pour ça, il faut pomper. Puis en pompant, ça arrive par des vaisseaux. Et toute l'irrigation est donc en relation avec ta réflexion. Et ces vaisseaux, il y a plusieurs niveaux. Il y a le crâne dessus, le crâne lui-même. Si tu te blesses, là, tu peux essayer, ça va saigner. Il y a à l'intérieur du crâne, ce qu'on appelle le diploé, il y a un autre niveau de circulation. À l'intérieur, il y a la dure mère. Et puis la dure mère, c'est une des enveloppes du cerveau.
Et puis à l'intérieur même du cerveau, il y a une autre circulation. Donc il y a 1, 2, 3, 4 niveaux. Et sur ces 4 niveaux, il n'y en a qu'un seul qui est visible, parce que lui aussi, il s'imprime sur la boîte crânienne. Et encore une fois, il faudrait que tu vois ça. Regarde un os du crâne à l'intérieur, tu verras marqué à la fois les circonvolutions et aussi l'irrigation. Et quand on fait le schéma de l'irrigation, on voit que Lucie a quelques vaisseaux, on voit que le premier homme, qui arrive très peu de temps après, a beaucoup plus de vaisseaux. Et si on faisait l'examen de ton os là aujourd'hui, on verrait, je suis sûr, une circulation beaucoup plus importante, presque anastomosé, presque un quadrillage de petits vaisseaux, parce que tu réfléchis beaucoup et tu as bien subi ce que je t'ai raconté. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question, c'est comment avez-vous eu l'idée de chercher Lucie ? Ben, l'idée, c'était d'abord que je travaillais déjà en Afrique depuis longtemps. Hein. Je travaillais en Afrique depuis 1960. Et là, on était en 1974, tu vois, ça fait beaucoup. Et d'autre part, quand on travaille sur le terrain et qu'on est géologue, on sait que dans certaines couches géologiques, certaines couches sédimentaires, ça ne peut pas être du granit, hein. Mais si c'est du sédiment, si c'est du sable, si ce sont des barnes, si c'est de l'argile, si c'est des graviers, il peut y avoir des fossiles qui emballent. Le fossile est emballé par le sédiment. Et on sait d'autre part, quand on est géologue, qu'un sédiment qui est placé comme ça, sous celui-ci, sur celui-là, il a à peu près cet âge-là. Alors, comme moi, quand je cherche des restes d'hommes fossiles, je vais chercher dans des terrains qui ont à peu près quelques millions d'années. Si je veux chercher des dinosaures, je ne trouverai pas ça là. Si je veux chercher des dinosaures, il faut que j'aille chercher dans des terrains de 50, 60, 100, 200 millions d'années. Si je veux chercher des petites bestioles qu'on appelle des trilobites, il me faut aller chercher dans des 300, 400, 500 millions d'années. Donc le géologue sait quel genre de terrain il lui faut trouver pour découvrir ce qu'il cherche. Tu vois, en gros. Et c'est, tu sais, on est si professionnel, hein, c'est notre boulot, qu'on voit ça du ciel. Moi, j'ai prospecté en Éthiopie, d'abord en avion, en petit avion. Et du petit avion, qui a une plaque comme ça, qui a une vitre au sol, tu es allongé dans le petit avion, et par la vitre, tu peux voir les terrains, beaucoup mieux que par le hublot. Et les terrains, on voit bien, en fonction de leur érosion, de l'état de leur érosion, de la manière dont ils sont abîmés, s'ils sont très anciens, moins anciens, plus récents, très récents. Et donc, tu vois à peu près quel genre de terrain tu peux fouiller. Si bien qu'en Éthiopie, par exemple, c'est très précis, j'ai d'abord fait toute une saison de survol, sans permis d'ailleurs, et ensuite, je suis allé sur le terrain pour vérifier et chercher mes fossiles. Autrement dit, il faut d'abord chercher l'emballage, le contenant. C'est comme le musée de l'art, mais c'est pareil. Il faut le contenant pour pouvoir mettre le contenu, c'est-à-dire toi aujourd'hui. Et pour trouver les fossiles qu'il faut dedans, il faut trouver l'emballage qui est dehors. Ok, merci. Ah bah, de rien. Encore une question ? Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est si vous n'aviez pas écouté cette chanson, comment vous allez surnommer ce squelette ? Si on n'avait pas trouvé la chanson, utilisé la chanson pour donner Lucie, comment on l'aurait appelée ? Ouais. J'en sais rien, mais sûrement qu'on aurait bien trouvé un nom. Pour te donner une idée, tu vois, il y a des fossiles de trouvés par des amis ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Twiggy, par exemple. Ça a été trouvé par des Anglais. Hein. Celui-là s'appelle Twiggy. Il y en a un qui s'appelle Littlefoot. Alors, Littlefoot, c'est parce qu'un copain, en rangeant des tiroirs, a trouvé un petit morceau de pouce du pied. Puis après, il a trouvé le squelette complet. Mais le squelette, il s'appelle toujours Petit Pied. Littlefoot, ce qui est mignon, hein. Et puis, au Tchad, Michel Brunet a trouvé
un fossile qu'il a appelé Toumaï. Et Toumaï, dans la langue locale, ça veut dire tu es le premier ou quelque chose de ce genre, enfin quelque chose de très, très joli. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Il y a eu plein d'autres noms qui ont été donnés comme ça aux fossiles. Donc, je pense qu'on n'aurait pas gardé AL-288. C'est pas très beau, hein, 288. Ça fait un peu immatriculation. Donc on lui aurait trouvé un nom. Mais je crois que le nom de Lucie qui a été proposé a été génial, trop fort. C'est mignon, Lucie. En plus, Lucie, c'est peut-être pas, mais la Sainte Lucie a été déplacée dans le calendrier. Et avant, la Sainte Lucie, c'était Noël. C'était comme Noël, c'est-à-dire que c'était le solstice. Tu sais, auparavant, on dessinait le calendrier en fonction des événements du ciel. Et les événements, c'était les équinoxes et les solstices, au moment où les nuits et les jours sont équivalents ou au contraire. Et là, le solstice d'hiver, c'est fêté chez beaucoup de gens comme Noël et chez d'autres comme Sainte Lucie. Mais aujourd'hui, Sainte-Lucie est devenue une date, enfin, a pris une date plus récente. Mais Saint-Nicolas, c'est pareil aussi, hein, c'est la même chose. Donc, Lucie, c'était important. Luciola. Donc ça, je ne dirais pas ce que c'est, que c'est autre chose. Ce sont les putes de Rome. Merci aux enfants, hein, vraiment de Montigny-les-Cormeilles, parce qu'ils ont très sérieusement préparé cette séance de questions avec le professeur Yves Coppens. J'avais une dernière petite diapo à passer éventuellement pour évoquer autre chose. Mais Anne, Non, il n'y a pas de souci. Juste, je me disais que peut-être on pouvait, si on avait deux secondes, une petite minute, passer la parole à M. Guay, qui a quand même beaucoup peu frère avec la classe. Pour qu'il nous fasse un petit avec point plaisir. Sur... Voilà. Oui, et avant de passer sur à la dernière voilà, image. Voilà, sur l'image de fin. À vous la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bah oui, quand Anne m'a contacté finalement à l'école pour proposer ce projet et assister à cette conférence, malgré toutes les péripéties liées à cette crise sanitaire, ça m'a semblé cohérent et bien sûr normal de faire travailler les élèves sur ça pour plein de choses, parce que bah, cette école, elle s'appelle l'école Yves Coppens, que c'était important pour les élèves de créer du sens sur ce nom d'école, et puis sur ce quartier avec cette place Lucie et l'ensemble des rues où les élèves habitent d'ailleurs, et qui ont été nommées comme l'allée Myriam Makeba ou Rosa Parks, etc. Et donc ce lien de quartier lié à l'histoire de l'humanité, à tout ça et à toutes les idéologies qu'on fait partie tous de la même espèce. Et donc ça, c'est important de pouvoir le transmettre aux enfants. Et donc ce travail-là, c'est aussi en le faisant à l'école avec les élèves que derrière, au fur et à mesure, on imagine bien que ce quartier va faire sens pour ces élèves au fur et à mesure qu'ils vont grandir dans ce quartier. Voilà, et donc c'est un travail qu'on a essayé de bien mener pour pouvoir être prêts aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. On a été très, très impressionnés par cette... Très impressionnés par cette proposition de M. Carpentier. Moi j'ai tout de suite accepté, bien sûr. Et je n'aimerais pas que ce soit sur YouTube, ça, mais c'est une jolie petite histoire que je vais vous raconter. Surtout si Lilian est par là. Il est là. Je la raconte, Lilian, hein, tant pis. Monsieur Carpentier me dit, voilà, je construis un ensemble scolaire. J'aimerais bien que l'école porte votre nom et puis on donnera le gymnase à Lilian Thuram et la place à Lucie. Moi, j'ai dit oui, c'est une très belle idée. Donc, monsieur Carpentier, je suppose, prend contact avec Lilian. Et Lilian m'appelle, il me dit, moi, je ne suis plus footballeur. Je l'ai été, certes, et brillant, comme chacun sait. C'est moi qui le dis, ça. Et désormais, je fais de la pédagogie, c'est vrai. Il a une très belle fondation, Lilian, qui s'appelle l'enseignement contre le racisme, c'est ça, hein ? Oui. Et...
Et donc, Lilian me dit, je serais content d'avoir l'école à mon nom. Je dis, oui. Pourquoi pas, c'est normal, hein, puisqu'il a un peu changé de côté, et puis il travaille considérablement. Sa fondation est formidable. Je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais regardez les bilans, c'est quelque chose. Donc, je dis oui, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, je lui dis, mais vous savez, Lilian, quand même, ça ferait école Lilian Thuram, très bien, mais ça ferait le gymnase Yves Coppens. Ah, vous voyez ? Vous voyez que vous êtes d'accord. Donc il m'a dit, en effet, donc, salopard, il a bien vu. Il a bien vu que ça ne marchait pas aussi. Donc c'est comme ça qu'on est retombé sur les pieds de M. Carpentier. Merci. Oui, alors juste pour finir, peut-être on peut passer la diapositive suivante, mais on ne va pas avoir le temps de s'y attarder. Voilà, la suivante alors, hein, parce que c'était un peu des pistes, la suivante encore, c'était des pistes de discussion, mais voilà, c'est celle-ci sur laquelle on peut s'attarder un petit peu, parce que justement, c'est vraiment, et ce que vous incarnez merveilleusement d'ailleurs, c'est qu'en fait, notre discipline, c'est avant tout une aventure scientifique, mais scientifique et humaine, et qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va à la recherche de ces hommes du passé, mais cette recherche, on la mène avec les hommes du présent. Et on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux populations locales, on le voit aujourd'hui, on est tous concernés. Donc c'est une grande histoire humaine. Donc c'est ce qui donne peut-être le sel quand même de nos disciplines. Et il y a aussi ce côté un petit peu filiation, puisqu'on a des maîtres, on a des enseignants qui nous mettent sur des pistes intéressantes parfois. Alors j'ai pensé que peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de Camille Arambourg, parce que justement aussi c'est un des professeurs du Muséum National d'Histoire Naturelle, et justement ça permettrait de terminer sur cette histoire extrêmement humaine que nous vivons tous à travers l'archéologie en général. Merci Amélie, c'est une très, très jolie idée. Alors le monsieur, le grand monsieur tout debout, c'est Camille Arambourg. Et le petit bonhomme qui gratte, c'est Coppens. Ce qui est normal. Hein. Donc, comme... Ah, dites donc, pas à ce point-là, quand même. Comme je l'ai raconté tout à l'heure, mais c'était pas avec vous, j'ai été attiré par l'archéologie depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai travaillé... J'ai bricolé tout petit, et puis après, comme étudiant, j'ai participé à des fouilles plus professionnelles en archéologie. C'est-à-dire que l'archéologie, c'est forcément le terrain. Hein. Pas forcément, d'ailleurs. On peut travailler aussi en labo. Mais enfin, en l'occurrence, c'était le terrain. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le terrain. Et je suis arrivé ici, à la Sorbonne, auprès d'un prof de très grand talent, très, très grand talent, qui s'appelait Jean Pifetot. Mais qui était un homme de cabinet, quoi. Et un homme de cabinet, c'est-à-dire qu'on lui apportait les fossiles et il en faisait une étude fantastique, bien, bien meilleure que toutes celles que j'avais pu faire. Une étude anatomique extrêmement détaillée, précise, mais qui, du coup, manquait de tout le contexte, forcément. Quand on est sur le terrain, on voit tout l'environnement, tout l'emballage dont je parlais tout à l'heure aux enfants. Et c'est important. Et par contre, quittant j'étais affecté à la Sorbonne d'abord, et puis j'ai été affecté très vite au Muséum d'Histoire Naturelle. Et au Muséum d'Histoire Naturelle, j'ai rencontré ce monsieur, Camille Arambourg, qui avait un parcours un peu particulier. Il avait fait l'école d'agro, d'agriculture d'Alger, puis après l'école d'agro de Paris. Et il était donc ingénieur agricole avant de s'intéresser à la paléontologie. Et puis, il a testé déjà un type de terrain, quoi. Et la paléontologie, il est devenu passionné. Et cette passion, il l'a conduite lui-même pendant toute son existence en allant sur le terrain. C'était un monsieur du même âge que l'autre, mais celui-ci, je me suis senti bien plus proche de lui. Et je l'ai donc côtoyé beaucoup. Je l'ai pris vraiment comme modèle. Et ensuite, il m'a pris comme collaborateur et mieux que ça, comme héritier scientifique, ce qui était très, très émouvant. Donc, ce bonhomme,
partait sur le terrain, mais à une époque où on partait sur le terrain seul. Et puis, il recrutait des travailleurs, des fouilleurs sur place. Il récupérait ses fossiles, il renvoyait les fouilleurs chez eux. Il rentrait à Paris et il étudiait tout seul des fossiles. Et moi, quand j'ai commencé, c'était en très grande... D'abord tout seul, au Tchad, comme j'avais appris avec lui. Et puis ensuite, sur le terrain, avec des grandes équipes internationales, avec tout à coup, on est passé de l'artisanat à l'industrie, avec beaucoup, beaucoup de gens sur le terrain, beaucoup de spécialistes sur le terrain. Et ça a changé tout à coup de ton. Quoi. C'était devenu tout à fait autre chose. Mais là, c'était sur le terrain en Éthiopie. C'était en 1967. Et Camille Rambourg avait 82 ans. Et il est revenu l'année suivante, 83. Il est revenu l'année suivante, 84. Puis il est mort. Mais il est venu quand même 3 ans avec nous sur le terrain. Il ne voulait que moi comme chauffeur, c'est-à-dire que j'avais ma Land Rover et c'est dans ma Land Rover qu'il montait. Le pauvre vieux, comme je conduisais, comme on conduit un jeune type, il se mettait la main. Enfin, il n'y avait pas de piste, hein, c'était n'importe quoi, quoi. Donc le terrain paraissait plat, puis il y avait un trou, donc on passait le trou forcément. Et il a été. La première année, il sortait avec moi le matin et l'après-midi. L'année suivante, quand même, c'était seulement l'après-midi, ou l'inverse, il sortait le matin et il se reposait l'après-midi. Mais quand même, sur le terrain, ce que je n'ai pas fait, jusqu'à 84 ans. Et c'était donc un grand modèle, vraiment un très grand modèle, avec une œuvre considérable. Il avait travaillé sur les mechtoïdes, c'est-à-dire les Cro-Magnons d'Afrique du Nord à une certaine époque, donc des hommes de quelques milliers d'années. Et puis ensuite, il avait découvert les Homo erectus de Palikao, c'est-à-dire d'Algérie, d'à peu près 1 million d'années, peut-être un peu plus d'ailleurs désormais. Et donc c'était l'autre niveau. Et avec lui, je lui ai fait trouver, si je puis dire, l'Australopithèque. On a trouvé un Australopithèque de 2 600 000 ans, un préhumain, avant Lucie, de 2 600 000 ans en 1967. Donc il est mort heureux après avoir découvert toutes les différentes tranches de les différentes grandes étapes de l'humanité. Mais c'était, enfin, pour moi, oui, c'est vraiment un modèle et un grand personnage qui s'appelait Camille Arambourg. Et qui était un passionné par excellence. Je vous donne un tout petit exemple, mais il ne faut pas me laisser parler parce que je n'aurais pas fini. Mais quand même, l'exemple est beau. Il m'a dit que pendant, comme il était né à Paris, mais qu'il avait vécu dans l'Oranais avec sa famille qui avait des vignes, il avait fait la guerre de 14 dans les Zouaves. Et il avait été envoyé, il était officier d'ailleurs, il avait été envoyé sur le front du côté de Salonique. Et puis, il était là avec sa compagnie, ou son régiment, et il n'y avait pas eu de manifestation particulière. Ils étaient là, ils campaient là, ils ne bougeaient pas de là, et ils attendaient d'être appelés sur un front ou sur un autre, et ils n'avaient pas été appelés où que ce soit. Et il m'a dit, moi j'ai mis les gens, mes hommes à fouiller, et ils ont trouvé un tas de choses. C'est-à-dire que pendant l'hiver 15-16, en pleine guerre de 14, il a fait des fouilles avec ses zouaves près de Salonique. Il a trouvé toute une série de fossiles extrêmement intéressants qui ont été envoyés ensuite en Algérie par bateau, et puis d'Algérie en France, et c'est maintenant une collection qui est au Muséum d'Histoire Naturelle. Enfin, c'est ça la passion, quoi. C'est ça la vocation. Où que vous soyez, vous trouvez le moyen d'exercer votre métier, si je puis dire. Et donc, on a un superbe mot de la fin. Faites des fouilles, pas la guerre. Merci à tous. Formidable. C'était une très belle après-midi. J'ajoute un merci au merci. Il est allumé le micro ? Oui ? Ou pas ? Oui ? Oui. Merci encore à vous. Merci à l'école
Yves Coppens. Et puis un très grand merci aux équipes aussi du Musée de l'Homme qui ont... le musée a réouvert aujourd'hui et ils ont eu un baptême de réouverture assez acrobatique. Ils ont été absolument parfaits en tout pour accueillir les enfants, pour préparer la régie, pour accueillir, pour installer tout comme il faut. Donc voilà, merci aussi à eux tous, les petites abeilles dans l'ombre que l'on ne voit pas et sans lesquelles rien n'est possible. Merci beaucoup. Merci à vous. On va aller boire un coup maintenant. On va aller boire un coup. C'est bien le timing, regarde.